Meghan Markle et le prince Harry ont pris leur distance avec la famille royale britannique. Les amoureux auraient refusé deux invitations de la reine. Les mains tendues de la reine sont restées sans réponse. Le prince Harry et Meghan Markle ont pris leur distance avec la famille royale britannique et leurs obligations royales en janvier 2020. Depuis, les relations avec le clan royal sont plus que jamais tendues. Pour apaiser la situation et renouer le dialogue avec le duc et la duchesse de Sussex, Elisabeth II a tenté des rapprochements. En effet, selon l'autrice Cathy Nicole, les jeunes parents ont refusé des invitations de la reine. Si est-il en tout cas ce qu'elle a déclaré à GB News et Breakfast avec Eamon Holmes et Isabelle Webster. La reine a toujours aimé prolonger son merveilleux séjour à Balmoral avec ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il y avait donc une grande soirée pyjama fin août dernier. Ils ont été invités à y aller, a-t-elle lancé. Seulement, les parents d'Archie et Lily Bay ont décliné l'invitation. Ils ont également été invités à se rendre à Birkal avec le prince de Galles et jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait, a-t-elle ajouté. Ainsi, les amoureux auraient donc refusé deux invitations d'Elisabeth II. Je sais de sources très proches du prince de Galles qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour remettre cette relation sur les rails, je pense notamment parce qu'il le souhaite en tant que père. Lors de leur passage au Royaume-Uni, Meghan et Harry ne devraient pas voir Elisabeth II aujourd'hui, Meghan Markle et le prince Harry vivent à Los Angeles. Ils sont de retour pour quelques jours en Europe. Ils ont du Düsseldorf, se sont également rendus aux Invictus Games, et devraient assister aux Welsh Child Awards au Royaume-Uni jeudi 8 septembre 2022. Une nouvelle fois, ils ne devraient pas aller rendre visite à la reine.